Je m'appelle Gabriel, et ouais, comme l'ange. Mon boulot, c'est de rabattre des clients pour une boîte de strip. J'accoste un mec dans la rue, je le baratine pour le faire entrer. Une fois dans la salle, il y a une fille qui s'assoit à sa table, elle boit du champagne. Lui, il a rien commandé. Mais quand il décide de partir, il faut qu'il paye l'addition, hein. Et s'il n'a pas le fric sur lui, je l'accompagne bien gentiment jusqu'au distributeur. Les touristes se font vraiment une fausse idée de la France, hein. Je vends aussi de la dope, poudreuse, intraveineuse, la gangrène pour la jeunesse dorée. Ça m'arrive de piquer des sacs ou de flinguer des mecs. De temps en temps, ça boucle une fin de moins, quoi. Ouais, bah, je préfère faire ça que faire de la politique ou de voler des organes, hein. Quoique, si j'avais été chirurgien, ah bah, je serais peut-être pas reparti les mains vides. On se refait pas. Avec les prostituées, bah, j'ai compris qui j'étais. Être homo dans ce milieu, je vous raconte pas les emmerdes. Et si je fais tout ça, c'est pas pour rouler en Porsche. C'est pour financer mon opération de changement de sexe. Mais pour être honnête, il y a quand même un truc que je regrette. C'est de plus pouvoir pisser debout.